Rosalie. Salut Yasmina. Salut! Vous êtes des amis, mais les deux venez danser en solo. Ah, c'est ça? Ouais. La raison qui unit moi et Yasmina, c'est qu'on est des meilleurs amis depuis 6 ans à peu près. On aime beaucoup passer du temps ensemble. On aime ça aussi s'entraîner ensemble. On s'inspire des mouvements quand on se regarde danser. On fait des petites corrections, c'est quand même que ça rend solo encore meilleur. Puis la danse occupe quelle place en vos vies? Ça prend une grosse place en nos vies parce que les deux, on fait un sport de petite danse. Puis combien d'heures dans une semaine? Au-dessus de 20 heures. Ouais. Et pourquoi vous faites ça avec des grands rêves en danse? Ça, j'aimerais, moi, personnellement, me rendre vraiment loin de mes danseurs professionnels. Pour toi? C'est vraiment la même chose. Ça, ça nous motive. Ouais. La prochaine à monter sur la scène, c'est Yasmina. Qui calme, puis celle qui va être sur la scène. C'est sûr que je parais pas tant expressive, mais rendue sur la scène, c'est vraiment complètement différent. J'exprime vraiment tout à travers mes mouvements, ce qui fait qu'on peut pas nécessairement remarquer ça que si on me fait juste parler. Elle avait vraiment hâte d'y aller, vraiment. Je me sens vraiment fébrile de danser sur une aussi grande scène. Je sens un peu les papillons, mais avec l'adrénaline, ça va être pareil. C'est sûr que mon but, c'est de me rendre à la finale. Fait que je vais faire tout pour me rendre jusqu'à là. Ton nom? Yasmina. Waouh! Il y a un truc que j'adore chez toi, c'est que tu sais mélanger le hip-hop à ta danse. J'aime beaucoup. Et tu l'as fait avec magie. Oh, merci. Merci. Mais tu es forte! Je t'ai trouvé incroyable. Merci. J'ai hâte de te voir en finale. Wow! Juste les médias sont d'accord avec eux, Yasmina, est-ce que t'es un animal invertébré? Parce qu'il y a des trucs que je comprends pas encore. Dans une fluidité, mais à l'intérieur de ton corps, il y a un contrôle incroyable. Tu as quel âge? 15 ans. J'arrête ici! Je vais juste demander ta révolution pour aider Lydia. Ouais. Cette révolution-là, t'as de la flexibilité, t'as de l'intelligence, t'as de l'émotion, t'as de l'âme. Lydia Bouchard! Un jour, je devais avoir à peu près ton âge, et il y a quelqu'un qui m'a dit « laissez l'heure de grandir ». Et j'ai trouvé ça dur, mais c'était vrai. À 15 ans, on danse, on n'est pas un enfant.
à 15 ans, on doit être sur les planches en train de défendre sa place d'étoile. Aujourd'hui, tu grandis. Ce n'est pas un cadeau que je te fais, parce que le talent, c'est une responsabilité. Alors, à partir de maintenant, tu t'impliques dans l'idéation de ce que tu vas me montrer. Tu te détaches de cette personne qui est habituée à l'esthétique de compétition et j'espère que tu vas prendre cette opportunité-là pour grandir et que je vais rencontrer l'artiste. Je veux voir une étoile. Merci. Différentes qu'on a vues à date. Son ripple du pied à l'orteil, on n'a pas vu très souvent. Comment t'as trouvé les commentaires? Vraiment des beaux commentaires. Ouais, puis celui d'Idia, très constructif. Fait que t'es prête pour la prochaine ronde? Oui, vraiment.